nouvelle science qui consiste à imiter et à utiliser les éléments de la nature et les systèmes naturels pour résoudre des problèmes humains. D'où l'idée d'utiliser l'un des services écosystémiques que nous offre la nature, le compostage, pour résoudre la crise environnementale que traverse le pays depuis 2015. En effet, le compostage est un processus naturel qui décompose les déchets organiques et les transforme en compost. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer fondamentalement les systèmes actuels de gestion de déchets, qui est linéaire, et de nous tourner vers un système circulaire en boucle fermée. Ce système est inspiré de la nature où les déchets sont tous revalorisés. Mais pour que le projet voie le jour, il faudrait coopérer et commencer par le tri des déchets chez soi. Et pour qu'il soit durable, nous devrons nous inspirer du poisson rouge et de l'anémone de mer qui apportent des services mutuels. L'anémone de mer abrite le poisson rouge et le poisson rouge en échange assure des services de nettoyage. Si nous appliquons ce procédé au projet de compostage, ce serait en offrant nos déchets triés gratuitement et en échange, ils seront compostés au lieu d'être brûlés et incinérés. Cela réduira donc la pollution et donc le taux de maladie. Finalement, le choix vous revient. Est-ce que vous voulez alimenter cette usine à cancer? Allez-vous changer vos modes de vie et de consommation en s'inspirant de la nature pour avoir une économie plus durable ?